gang criminel assassin qui fait crime yo, yo mette un chat blindé, campé devant cimetière. Route frère qui pire vite l'homme non, pour sécuriser cimetière là, pour famille, pas venir avec juge de paix, pour venir récupérer cadavio qui commence à gâter. Mais qui côté, mais dans quel niveau que nego criminel? Mais dans quel niveau nego criminel? Et m'te dit nego green bagay. Ou ka fait tout ça en fait. Nous ka fait tout mal que n'a fait. Mais go green bagay pour que nous connaît. Bon Dieu dans ciel là, l'a regardé. Et kama existé. Et mais je dis ya, gen des actions concrètes qui pral poser. Parce que monsieur yo, a gen pour répondre. On se des questions sous crime ça. Et à l'échelle internationale, gen des plaintes qui pral déposer là. Suite avec crime ça, assassinat crapuleux ça, assassinat relâche ça, que équipe au pouvoir fait, soit jamais ça pio. Et pays a, bon Dieu dans le ciel là, t'es là, grand Dieu Jéhovah t'es là, grand architecte t'es là, mission 1, effectivement, c'était pour assassiner ancien sénateur, commandant Guy Philippe. Et toute information en détail, peuple haïtien, nous qui chanons, mais nous. Mais si vous montez plein pour assassiner commandant Guy Philippe. Malheureusement, nous perdons à Jean Bessapio. Heureusement, bon Dieu était là, nous, Guy Philippe pas arrivé pour un guet-apens. Mais effectivement, vrai, Guy Philippe était sous route pour le descendre. Bessapio était devant. Guy Philippe te derrière. N'ego pense que Guy Philippe te machine nan. N'ego massacre machine nan. Eh ben, gen les Nations Unies qui déjà informé nan sa ki gen pou avec dossier sa. Gen les OPC qui gen écrit au commissariat des droits de l'homme nan Nations Unies pour l'informer de dossier sa. C'est pas un dossier qui a prêté impuni. Et m'li prophète Mise, maman gang criminel, préparez-vous. France LB, coalition gang chef, photom section of terroriste, préparez-vous. Kesnia non, mille magistrats criminels, gang sale dans Petionville, préparez-vous, garçon. Patrick Dorméville, chef secrétariel, ti Patrick, ha garçon, ou gen chay soudo, oui. Ou gen chay soudo. Ti Pouchon, préparez-nous, monsieur. Ti Franz, ancien chef sécurité, ancien premier ministre de la motte. Ou habite Thomas 32, moun Thomas Bam nouvelle là. Préparez-nous. Crime ça pas capable d'être impuni. Et c'est là m'tap tande nous. Nous qui pensé que Bessapio a pas assassiné pour grand merci. Never! Il va passer comme ça. Il pas capable passer comme ça. Pas de moyen pour le passer comme ça. Parce que l'inacceptable, monsieur dame. Pour que prenne plaisir assassiner le monde. Pour protéger le pouvoir criminel, yon peuple qui a souffri. Nous tuer. De papa petit. La ge famille tête en bas. La ge espoir, yon pa ge ni rele ni répondre. Et me dit, monsieur, bon Dieu, t'es là. Bon Dieu, t'es là. Parce que ça que fait là, en vérité, bon Dieu, li pas ka passer comme ça. Monsieur, ne yon décide, monsieur, pour elle tuer, Guy Philippe, comme ça, vrai? Oh, monsieur, pourquoi j'aime raconter nègre criminel comme ça, non? Eh bien, nous allons parler parce que, justement, commandant Guy Philippe, il a toute information, tout détail, via service d'intelligence révolution gagné, il a toute information sur qui j'ai crime, crime n'a été monté, toute planification, comment t'es fait, l'argent qui baille, qui est-ce qui porte l'argent, commandant Guy Philippe, il a toute information. Bon méchant, bon criminel, bon gang sale. Nous prenons le parler qui choye parce que Jodia, assassin, vous pensez que assassin a sa place son jet lié. Oh, et puis aïe. Et puis aïe. Mais Bessap pas de famille. Bessap de famille. Parce que la diaspora haïtienne, c'est famille Bessap. Bessap de famille. Parce que plateforme YouTube Fumeto, Taxe 69, Foucault, Boosta John Jimmy, c'est famille Bessap. Bessap de famille. Parce que la population haïtienne, non. C'est famille Bessap. Bessap gen famille. Bessap gen famille parce que li aide nous le camp bon côté nous, li fait nous, li aide nous ramasser respect nous devant yeux voisins, devant qui t'a traîné en papier voisin. Bessap gen famille. Bessap pas un petit mi sans gador. Et crime qui fait sous Bessap plan. Moi dis monsieur ça. Moi te préparer tôt ou tard,
à la fin de la journée, nous avons pour répondre à une question. Un criminel, un gang sale, nous tuer les gars. Pour blague comme ça, nous tuer, monsieur. Nous massacrer avec coup de balle. Alors nous pensons que ça t'a prêté impuni. Mais nous parlons pas là, monsieur. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce non, mille, magistrat de Pétionville. Nous jeunes soldats, garçons. Monsieur, c'est soldat qu'est-ce non, mille, pays. Mais monsieur, monsieur, citoyen, ça. Côté Lili. Mais monsieur. Nous pouvons regarder là, attendez bien. Nous pouvons regarder, monsieur. C'est soldat qu'est-ce non, mille. Nous pouvons regarder, monsieur, parce que nous identifions, citoyen, ça. Comme une parmi assassins, mais de fait, nous parlons bon, monsieur, parce que, effectivement, nous avons des détails dans nous. Mais monsieur, nous avons pris un bagage à l'allonge par nous, mais nous pouvons rejoindre, monsieur, c'est lui-même qui, dans le groupe gang que Kessner en mille, recruté pour assassiner des gens, pour faire pouvoir plaisir. Et c'est monsieur qui tuait la majorité agent de Sapio, parce que son criminel qui parle à la police, mais c'est joué Kessner en mille que lui est. Sont illégales qui ont machine la police qui fait crime pour des autorités criminelles qui sont dans le pays. Qu'est-ce que mille, mais soldats la garçon. Vous avez pensé que nous pas besoin de contrôle, monsieur. Nous avons contrôlé, nous avons tout identifié, tout le qu'est-ce que mille, c'est lui-même qui a un groupe gang dans Pétionville pour exécuter des gens et qui travaille pour des oligarques corrompus. Qui travaille pour des oligarques corrompus. Qu'est-ce que mille. Et monsieur, m'a dit nous avons bagay. Je n'ai que tué Bessapio. Alors, m'a dit nous que, yo tué Guy Philippe. Ah oui, c'est bon Dieu dans le ciel là, qui pas prend Guy Philippe. Mais qu'est-ce que mille? Franz LB, Emily Prophète Milse, Ariel Henry, monsieur dame, ça yo tué commandant Guy Philippe. Mais c'est bon Dieu, c'est la nature, justement, qui pas prend Guy Philippe. Mais n'est-ce que ça yo tué Guy Philippe. Et yon même qui t'a monté complot pour assassiner. Maslin, alias Arabla, mais bon Dieu t'es là. Bon Dieu t'es là. Mais je dis, avec gros point de force, yo mette Arab en dedans pénitentiaire nationale. Yon mette exactement bon côté Clifford Brandt. Pour montrer, yo besoin de tuer tout le monde net pour qu'on ait un qui campe, qui est capable de demander changement pour Haïti. Pays a maintenant qui s'est tombé. Maintenant qui s'est tombé. Et nous devons comprendre la réalité qui est là. Mais c'est méchant, en pile. Yo criminel à l'extrême. Mais nous deux bataille. Nous deux bataille avec force. Nous deux bataille avec courage. Nous deux bataille avec nom. Pour nous aider pays, justement, sortir dans sa quelle nouvelle là. Monsieur au méchant. Situation qui n'a pas vivre là, n'est que ça pas décidé pour nous sortir là-dedans. Et on prend toute disposition avec Zamio pour nous pas sortir là-dedans. Imaginez-vous, il y en a qui magistrat de Pétionville. Il décide de monter un groupe gang pal dans Pétionville légalement pour exécuter des hommes et des femmes qui campaient, qui apprennent changement ou bien stabilité, sécurité pour que diaspora soit capable de rentrer dans le pays. Il y a tio. Mais qui côté la fragile là? C'est même question de Nomil Saoui. Nous te voyons qui t'a pris place Saint-Pierre de Pétionville pour te privatiser par des oligarques corrompus. Pour faire business privé, yo, parce que n'ayez peur à le mettre business dans la ville là. Yo, ben, trop zam. Yo, allez, quitte place publique pour peuple dans Pétionville. Mais magistrat, t'as pris place publique là, pour le mettre au service des oligarques corrompus, pour ouvrir magasin dans le cœur Pétionville là. Ça, sont des respectants, ou pas qu'on pays. Malpropre, ça yo, t'y volant ça yo, ou de prêt, t'y volant ça foutre, yo, ma code. Eh ben, mes chefs de gang qui tuaient plusieurs, dans agent Bessap, nous, yo. Ah oui. Tuaient plusieurs. Nan agent Bessapio. Nèg sa ap gade sou ekran. Et c'est joué, Kessner en mille. Nan monte task force yo pour yal assassiner Guy Philippe. Et commando ça, li opérationnel nan ville la. Li suppose maintenant, mais depuis qu'on mouvement, levé campé qui fait, yo cible des moun directement. Yo prêt pour assassiner chaque leader qui campé, qui pour dire fuck de stabilité, fuck de sécurité, fuck nous sortir dans sa que nous venons. Yap tuyo. Et c'est patron yo même, gros palto, dans le secteur privé qui va au lod. Mais n'a sous écran, et mais c'est vidéo ça, que nous te prenons maintenant, alors dans l'après-midi, bon, 3h de l'après-midi, nous mettons sous tout, sous les réseaux sociaux, nous expliquons effectivement suite avec l'information que nous te gagnons avec nous bat des détails, que sauter dans le camp assassin yo, que sauter dans le camp criminel yo.
Parce que tout simplement, nous avons peur par rapport avec ça que nous avons dit. Mais qui compte bien la mélanger pour nous? Et bien, nous avons dit, pays, le cadavre, ça que nous avons dit, nous ne pouvons pas, sans que nous ne pouvons couler pour grand Messi. Effectivement, sans que nous ne pouvons pas couler pour grand Messi, et bien, le pays me garantit. Je dis ça, non, non, chef révolution, yo. Mais ça peut pas assassiner pour grand Messi. Et peuple a dû camper. Peuple a dû camper parce que ça qu'on fait la folle fête. Méchanceté, crime, assassinat. Nous pas capable de continuer tout le temps pour nous ferrailler, pour nous tuer, pour nous racher, faire toute qualité de crime avec toute impunité. L'a suspendre tôt ou tard. Oui, l'a suspendre tôt ou tard. Et fuck gon bagay ki fait pas n'importe qui moyen parce que nous méchants trop. OK, nous méchants trop. Un criminel notoire. Un criminel notoire. Voilà, nous pral parler de et dossier agent Bessapio qui n'a assassiné, gagné et avocat justement qui défend et agent Bessapio. Alors, qui a plaidé quoi ça, qui a fait route avec dossier a qui y a des explications que le bail dans l'émission nous va permettre d'entendre à groupe avocat ça yo et y a des autres monde et qui responsable droits humains au niveau de l'état au PC et professeur Edouville vous comprenez moi mais Edouville qui prend la parole tout qui dit des bagages qui est extrêmement important mais nous va faut entendre toute notre cadre émission ça mais entre-temps bam dit nous que arrestation gros poignette arrestation gang sous et alors qui t'a mené assassinat arabe blanc, si que nous, dans les médias en ligne, nous pas d'exister. Mais justement, et finalement, Jacques Nkonel, arabe passé première nuit li, en dedans pénitencier national. Mais pas oublier, dans cellule côté où tu as mis arabe blanc, c'est cellule côté qui gagne Clifford Brandt. Ok? Côté qui gagne Clifford Brandt. D'ailleurs, nous connaissons, nous-mêmes, nous pas en affaire avec kidnappeur. Mais c'est pas sans raison qu'elle mette arabe dans la même cellule avec Brandt, parce que yon n'a besoin de tuer arabe. Il a besoin de tuer, monsieur. Il a le prix, il a mis un petit coin à la pénitentiaire nationale. Quand il a gagné pipi, trois lettres, tout le monde a gagné net. Il a humilié, jeune garçon. Il a humilié, arabe. Il a humilié, monsieur. Parce qu'il a fait mal. Il a regardé pour moi. Pendant que la justice américaine a marre condamné à vie des assassins qui tuaient le président pays, non, qui c'est Jovenel Moïse. Et bien, dans le pays, c'est le contraire. La justice dans le pays a cherché pour le marrer des gens qui ont pris de justice pour le président Jovenel Moïse pour le protéger assassin qui trouve le président. Nèg sa nous de foutre du feu sur yon, tout vivant. Parce que yon pas moun. Le plus que grave, mettre là. Non, le plus que grave, parce que pendant que la justice américaine dans l'État Floride a marré et condamné de ne qui impliqué dans l'assassinat président paysan, qui c'est président Jovenel Moïse. 58e président d'Haïti. Nègre de yon petit paysan, nègre trou du Nord, nègre tuyel. Nègre tuyel mal, Jovenel Moïse. Aïe, 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 monsieur. Ton écrasé crime ça yo. Nous, quand on a pensé après, il a prêté puni. Nous tuer, citoyen ça. Nous pensons que crime ça a prêté puni. Eh bien, monsieur. Franchement, que nous tuer tout pays en fini. Jovenel Moïse s'en tuer, monsieur. L'homme s'en tuer, nous pensons ça prête puni. Bonne gang sale. Mais justement, pendant que la justice américaine dans l'État Floride a condamné des nègres qui étaient dans le pays d'Haïti, qui dit que moi pas connais rien, moi pas ceci, moi pas cela, moi pas 10, moi pas date. Emmanuel Christian ça nous qui t'a plaidé. Et mais je dis, il y a un procureur américain, ça nous relaie, commissaire du gouvernement en Haïti. Eh bien, l'idressé, l'ivine avec qui, ça nous capable de et un document complet, avec des preuves tangibles, justement, l'ivine déposer devant le juge fédéral qui a traité le dossier. Eh bien, dossier ça, Emmanuel Christian Sanon, même Jean avec Zamil, John Joel Joseph, même Jean avec l'autre Zamil, Colombien, qui déjà condamné pour passer toute vie en dedans prison aux États-Unis d'Amérique. Eh bien, Emmanuel Christian Sanon, risquer prend prison à vie. Et c'est ça, chaque la boulot standard que bagay ça, que boulot saute. Ça que le Dimitri tende, que Dimitri va sauter. Bon sang, 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 bon s
et tout nèg qui impliqué dans tuer président pays qui c'est président Jovenel Moïse pas n'importe qui moyen n'a payé pour crime qui nous fait bonne gang sale Jovenel Moïse nous pas jamais oublier au garçon ou sous que nous pays a m'a dit nous que bataille pas gagner camper pas gagner camper et pas jamais gagner camper parce que ça que n'a vivre comme peuple situation que n'a connait là nous connait qu'est-ce qui mette là-dedans et j'en toujours dit j'en connais le tout il y a un problème qu'on identifier c'est que ce problème qui a moitié résolu. Eh bien, nous-mêmes, bon côté pas nous, nous disons que, après constat, après analyse que nous faisons, nous jouons une stratégie pour nous jouer une meilleure formule définitive. Là. Mais ce qui là, nous avons une formule là. Et formule là, ou après qu'elle est applicable et la porte résultat dans le jour que vous venez là. Nous ne pouvons pas dire plus. Ah oui, nous ne pas dire plus. Dans le jour que vous venez là, formule là applicable et la porte résultat qu'elle doit porter. Voilà, on avance. Dans le moment Peba a payé pour Téan, après ça, on a tourné dans le dossier arrestation et Cavalier Paul Canon, Maslin Mitil. Maslin fait fierté nous, monsieur de fond déclaration hier devant le commissaire gouvernement. Monsieur dit, l'ité mette, t'as pris 100 l'année de prison. Pendant qu'il est en prison, il espère que le pays a changé. Il souhaite que le pays a changé pendant la prison. Au lieu pour le rétracter. Sous déclaration qu'elle t'a fait pendant que l'été dit que clairement tout le monde doit prendre manchette et a distribué manchette et m'te ba manchette pour peuple à sécuriser zone ni sécuriser bloc li pour que kidnapper pas vienne tuer il dit maintenant yo pas gain justice qu'a régler nos pays normal nous pas privé là nos pays normal nous pas privé là dans temps normal nous pas privé là mais de fait gain des kidnappeurs qui tuer moun qui kidnapper moun c'est normal pour que tout le monde prenne disposition. Mais écoutez bien. C'est comme si comme ça gouvernement ça t'a voyé papier timbré pour arrêter moun. Il t'a supposé arrêter ministre justice criminel là. C'est ministre justice là qui t'a dit que tout le monde doit défendre tête yo. Parce que les mêmes territoires salio, yo pas que territoire qui perdu dans pays l'état, yo pas récupérable. Il a dit que tout le monde défendre tête yo. Ministre justice a dit que tout le monde défendre tête yo. Peuple a pris manchette là, acheté manchette li, a pris manchette dans mail, nous prenons arrêté sous prétexte que c'est parce qu'elle te fait déclaration, bonne volée. C'est parce que tout simplement, la demande de justice pour le président Jovenel Moïse, nous connaissons proche Martin Moïse, nous décidons pour nous fermer bouche li. M'a dit, monsieur, bataille la pape campé et arabe là a libéré. Ça nous besoin rien à poil. Ça n'a pas cherché dans le bout de diable, n'a pas jeune ni tôt ou tard. N'a fait tout complot mutuel. Ça n'a pas cherché dans le bout de diable, n'a pas jeune ni. M'a pas si c'est robot nouillé. Si c'est extraterrestre que nous y est, nous décidons de tuer l'un vle, nous décidons de condamner l'un vle, nous décidons de disparaître l'un vle, nous décidons de prendre organe jeune vle, nous décidons de faire tout bagage jeune vle, l'un vle, avec toute impunité. Et bien, bon, là, ça a privé, et bien, monde de bien, il a campé pour dire que nous pas qu'à descendre plus bas. Nous pas qu'à aller plus loin, et ceci, il faut que nous bagage qui pour faire. Et nous arrivons dans exactement dans le cafou pour que ça qu'a fait là pour le fait là. Parce que nous pas capable d'accepter, nous pas qu'à tolérer. Il est vraiment inacceptable parce que dans tous les pays du monde, pas un peuple, non, qui a accepté que Ariel Henry, là, comme premier ministre, sous qui base, pas un peuple qui respecte la tête, qui remet le pays, qui a accepté que André Michel a ferraillé, Jean Ferraillé, après ça, il finit fait dans le pays. Pas un peuple qui a accepté pour fonctionner avec Majorie Michel, Don Kato, Chile Ludo, Edmond Subis Bozil, vous comprenez-moi, et Rika Pierre, deux amis vite l'homme te gagné. Dans le cadre de planification assassinat de Jovenel Moïse pour bouler pour tout le monde dans le pays. Et effectivement, il a tué le président. Pas qu'on peuple capable d'accepter pour fonctionner avec assassin. Yo. Et me dit nous ça très bien. Seul moyen pour nous finir avec ça qui est la plus facile, c'est tout haïtien qui pour prendre décision. Nous avons pour te bourrer nous 3 millions haïtiens pour nous chercher toute classe, tout politicien haïtien. Yo. Et puis nous faisons une force commune sous champ de masse là. Nous faisons une force commune qui n'est pas 10 mètres de profondeur. Par contre, combien de pieds qu'il a pied 10 mètres de profondeur. Et puis, nous prenons tout politicien, nous marions deux bras derrière, voyons dans le trou. Et puis, nous chargeons 100 camions béton armé. Nous laguons béton là-dedans, sous yon 100 campés. Coul pas arriver dans le nivel de 50 cm en l'air. Et puis, nous n'avons que prendre, nous passons fait sous lit. Et puis, nous barrons lit. Après 3 jours, nous disons machine passée. Machine passée. Nous connaissons, nous prenons 500 politiciens, 1000 politiciens, vous comprenez? On 30 oligarques, et puis nous foutons dans trois, nous mettons béton sous yo. Tout vivant. Nous faisons sacrifice,
devant le monde entier pour le peuple là, justement capable de libérer. Et de fait, divan, nous avons libération, li devant les clair devant nous. Nous avons commencé pour opter, à travers yon pelle, yon bourrette, yon balai. Pays a commencé à avoir sécurité parce que gang yo, gang a sa pas capable d'exister encore. Parce que ça vient pas de la supporte. C'est soit que tu as fait choix. Remettre Zamnan, demander pardon, al prendre prison. Ou du moins, peuple a débarqué, wash maman. Et puis, il y a la bataille liée. Nous pas fait back. Dossier assassinat agent Bessapio. Dossier arrestation Arabla. Peuple haïtien, nous prenons parler Kishoy. Jeudi, le 17 février 2024. Est-ce qu'on pas content? Oui, je suis content. Je suis content, même. Pour moi, ça m'a voir. Justement, je dis nous bonjour, bonsoir tout le monde. Dépendamment de côté qui l'heure, vous attendez nous. Et vous regardez nous, encore une fois, son plaisir pour moi. Justement, comme habitude. Son plaisir pour moi pour commencer avec nous. Ok, c'est plateforme Panouan, qui c'est plateforme Maman Peba, plateforme Pé Potéan, plateforme qui Papa Chalan, plateforme Capdil Genia, plateforme qui croit dans la vérité, plateforme qui croit que c'est une bataille que nous avons menée et que nous avons capable de retirer Haïti dans sa que nous là. Pays, nous avons continué la bataille. Continuez à partager l'émission. Ou même qui a peine découvert la plateforme, nan, si vous pouvez abonner, rassurez-vous, regardez. Si vous pouvez abonner, pressez-vous. Rentrez dans la famille, c'est la grande famille, et Fobeto. Famille qui sont dans Thaïlande, famille Grand Nambouda, famille qui papa Chalan, famille qui a dit le génie, famille qui croit que c'est à travers bataille, révolution, pour libération pays d'Haïti 2024, lan, que commandant Guy Philippe initié, et que n'a capable de jouer une libération peuple ça, et que j'espère que n'a pas rentré. Bataille ça n'a fait sur la plateforme YouTube, Fobeto. Ou pas besoin là. Là, présence ou important là, n'a partager émission yo. Justement, en avance. Gagné un dossier agent Bessapio. Go bagay que tout le monde qu'on a répété, silence fait plus bruit passe balle. Effectivement, nous avons un combat, nous avons la guerre. Tout le monde connaît que dans la guerre, il y a plusieurs phases de combat. Nous avons pour première frappe, de manière stratégique, ou replier. Ou replier au printemps. Ou garder qui sont fait. Qui sont fait erreur. Dans le premier, sans tout fait, qui cause ou prend frappe là. Ou al, comme si nous fait une étude sous stratégie qu'on a développé. Dans le premier, avant sauter fait, qui cause ou te prend frappe qu'on te prend. Mais c'est exactement le cas de. 7 février 2024. Ça qu'a fait là, il y a plusieurs moun là-dedans. Il y a des gros pays là-dedans tout. Il y a des pays bon côté là qui là-dedans. Parce que Haïti, je le viens, il y a tellement de moun qui alors qui a envie porter bourre sous lui. Et ça et proverbe ça m'a si nous permettre point cabrit en pile mettre mourir dans poteau. Parce que yon ap gade sou lot. Ou du moins, ça dit fom dal fè, ça dit fom dal fè. Mais nan sens sa, kabit la mouri nan poto. Et nous même tout comme haïtien, nous pas mettre tête nous ensemble pour nous dire nan bay kabit la manje un seul coup. Nan sens sa, m'ap di nou que, avec arrivé, ancien sénateur Guy Philippe qui rentre dans le pays, 30 novembre 2023. DCPJ libéré Guy Philippe après 2-3 jours. Guy Philippe passé ou 2-3 ans dans l'ouest et puis il rentré dans le sud et puis Guy Philippe rentré la Grandance la Kaeli. De la Grandance étant Guy Philippe commencé à marcher de porte en porte pour la saluer des paysans qui t'a semblé 25 gouttes 50 gouttes pour te changer pour t'acheter dollars américains pour te faire transfert aux États-Unis d'Amérique pour te payer cabinet d'avocat. Pour Guy Philippe, parce que Guy Philippe n'a pas de l'argent. Il s'était trouvé que ça, mon yo te fait pour lui comme service, ce n'est pas 25 gouttes là qui est important, mais c'est à joindre, montrer l'importance. Ça te gagne dans les yeux. Capital importe, solidarité, ça, geste là. Et c'est lui qui compte. Guy Philippe montrait que il te prend ça à cœur. Il te déplacé la loi de chaque grand monde, de porte en porte. Ça prend monsieur plusieurs jours pour la marcher de porte en porte
dans plusieurs zones dans Jérémy pour la saluer moun. Monsieur presque fait toute commune dans Jérémy dans Gadans pour la saluer paysan yo. Et mes frères avec somme cap tande moi cap gade là. Commandant Guy Philippe t'as pas pris la parole officiellement sous place Jérémy. C'était en décembre 2023. Il y a annoncé que, après constat qu'il fait et avec Zami qu'il parlait, vous ne pouvez pas dire nous là parce que nous ne pouvons pas faire dans le pays. Vous ne pouvons pas faire dans le pays. Ariel pape carité. C'est moi qui dis Ariel pape carité. Ariel parle encore. Ariel, c'est sous Zamnil campé. Ariel tellement connaît le pape carité, c'est sous Zamnil campé. N'a pas dit Ariel. Sans qu'on ait un, nous connaissons le tout. C'est ça que vous faites là. Pays a fait, le peuple a fait. Dans un pays, a. Complot, manigan, c'est pas si pas là. Nous, on a pensé que nous ne connaissons. Et puis, y a. On va parler. Et monsieur qui l'a yo. Là, Guy Philippe parle dans Gredens. Quand il dit, après, il finit par parler avec des responsables dans la police, des responsables dans les Forces armées d'Haïti. Les responsables qui, au niveau BESAP, les gars des problèmes qui, dans le pays, il y a des problèmes de sécurité, ils voient que le problème n'est capable de résoudre dans moins que 90 jours. Et pourquoi ça s'est passé? Depuis le ça, assassinat Guy Philippe commence à préparer. Ça fait ça. Nous va poser une question? Nous va poser une question? Et mais 11 familles qui ont 20 âmes dans le pays, c'est toujours 20 âmes dans le pays. C'est toujours à vendre balle, attendez. 11 familles qui vendent zam dans le pays, c'est toujours à vendre zam, c'est toujours à vendre balle, attendez. Nous, quand on cause, il y aurait le mbeto. Je dis nous ça très bien, oui. Joum peur, c'est joum allongé. Et nous, pourquoi plonger? Parce que grand architecte de l'univers, il est capable de côté. Nous connaissons Black Kigé là. Nous pouvons parler qui est avec nous. Comment est-ce que Philippe fait déclaration pour dire que. Problème et sécurité généralisé dans le pays. Après, il finit par avec toute force sécurité pays. Autorité yo. Li wè ki problème nan ka rezoud la moins que 90 jours. Nous content de ki choy. Aïe, aïe, aïe. Et mais depuis jou sa, Guy Philippe signe la mol nan kaye oligak korompu yo. Ou pa mandem ki choy. Sa k fè Guy Philippe signe la mol. C'est parce que business zam nan kap fèt an de pays. Depuis plus passé 7 années sans camper, c'est oligakyo kap van zam, kap van bal en de pays ya sans camper papa haïtien. Nous allons prendre le jeu qui est là. Sans camper. Eh bien, le Guy Philippe annonçait que naturellement, yo pral mettre un frein dans phénomène insécurité ya. Parce que ça, c'est volonté politique réelle qui va gagner qui cause ça là toujours. Et c'est là, moi, vin, là, m'a parlé avec deux amis qui bien placés. M'a pas qui secteur fois ça. Si m'a fragilisé question, et pour moi, dernièrement. C'est ça qui est pour avec dossier complot Abinadel là. Très technique là, maintenant. Il a compris tout. C'est grand Simon. Là, qui Philippe dit que, problème insécurité, capable résoudre dans moins que 90 jours. Maintenant, pour que nous comprenne, si que, problème insécurité capable résoudre, la moins que 90 jours. Et ne qui contenait les amnes, avec contenait balio, qui peut distribuer là. Côté la vanni. Défaite le ça. Payer pas la sécurité. N'a pas commencé à faire filature, nous pas commencé à récupérer des matériels. Qui la kaneg. Et bien, nous dit que seul moyen pour eux même continuer à enrichir tête dans l'économie criminelle là, c'est que mes pays a dans sa culture là. Pour eux que dans sa culture là, c'est avec exécution générale là, lieutenant, chef révolution, ancien sénateur là, qui c'est commandant Guy Philippe. C'est comme mourir au monde qui a dit, oh oui, Guy Philippe était dans le silence, il ne peut pas parler. Ou même encore, elle t'a parlé ou t'a dit qu'il parlait trop. Moi, pas un mec, Guy Philippe. Je dois rentrer dans le silence pour étudier des stratégies pour protéger cette tête. D'abord, après la compte, c'est la bataille pour vous. Parce que c'est comme ça que c'est pour la protection de la ville d'abord. Après, lui-même, la rentrer dans la bataille pour vous. Mais sous campé, l'elle parle ou dit parler trop. L'elle pas parler ou dit pour qu'il ne pas parler. Moi, que c'est besoin de mourir. Eh bien, nous, nous dit comment Guy Philippe. Nous prenons tant qu'on veut. Nous même pas côté pas dans les médias. Nous fait travail que nous devons faire. Et l'on vini pour que nous exactement dans la route que nous avons. Nous ne pas camper. Nous promettons de ne pas camper. Et nous avons commencé déjà, nous ne pas camper. Eh bien, je me dis, nous,
En pile, nèg ta remè assassiner commandant Guy Philippe. Et nèg connaît que depuis assassiner Guy Philippe, pas gen espoir pour peuple là encore parce que peuple a mis tout espoir sur Guy Philippe. Et c'est ça qui cause nous dit que suite avec ça si au cas Guy Philippe, yo connaît que moralement yo détruit nous. Ça va faibli moralement. Moralement nous t'a pas faibli. Mais bien que pour libérer pays d'Haïti, moi même pas perdre les âmes. Ah oui, pour libérer son pays ça, pour nous débarrasser kidnappeur, criminel, assassin, cap kidnapper mon pays ça, depuis me connais les âmes. Depuis me connais les âmes bien. Me jeune on 2000 haïtiens, 3000 haïtiens qui capable dire bientôt en aller pour écraser m'd'a braler. Rete. Pour j'en n'cap tuer mon pays là, j'en cap kidnapper mon pays là. Non mon cher, fais pas non. Fais pas non. Si de Michel, si n'est si cap à sa aveslan, pas j'aime une jeune gang à sa patio pour le kidnapper. Alors pour le bazam pour faire kidnapper moun pour lui. Kidnapper a baissé, le ça la justice qui sonne avec ça. Ou bien marcher pour le tout. Oh oh, fais pas non. Tendez bien. Le commandant Philippe répétait que dans mon 90 jours, problème et sécurité capable de résoudre. Il parle avec tout secteur clé. Le ça n'est senti que la police fragilisée, la médaille est fragilisée. Bessap complètement fragilisé et Bessap déjà positionnel. Mais on dit que la fragile, donc n'a pas le cas vrai. Oliga Kompio dit, seul moyen pour capable résister, c'est assassiner monsieur. Et nous avons utilisé l'État nous. Et c'est la Mabdoula, oui. Je ne vais pas assassiner. Si l'État, si vous mettez l'État, propriété l'État dans le pays d'Haïti, c'est Oliga qui, oui, avec le système Zahi. Avec le système non, c'est Oliga qui met l'État pays où. Parce que c'est au gain douane pays où. C'est au gain pop pays ou, c'est au gain aéroport pays ou, c'est au gain ministère finance pays ou, c'est au gain DGI pays ou nan meyo, c'est au gain toute qualité gros bagaille l'état qui rentre l'argent nan meyo, c'est au gain gaz nan meyo. Chef n'est pas mourir mon cher. Tout ça n'a coûté n'a coupé alors tout ça n'a cité là. Jovenel Moïse retire tout nan meneg yo oui. Ou ka comprendre? Port, aéroport, douane, DGI, ministère des finances, ministère et de la justice, ministère de l'intérieur. Responsable sécurité nationale. Je ne m'en pas de retirer tout ça au net qu'on est. N'a dit, n'a pas tuer monsieur. N'a pas tuer président. N'a pas tuer président, men. N'a pas tuer président. Ça fait nous mal. N'a pas tuer président. Et bien, là, Guy Philippe répétait, mais comme problème pour l'en résoudre, Oliga corrompu pour ce con. Yo baisam tout partout. Yo rentré dans l'État. Yo fait l'État or a planifié assassinat tant Guy Philippe. Effectivement, 1er janvier, Jean Guy Philippe t'a annoncé la Gonaïve. Guy Philippe rive Gonaïve. 1er janvier. Guy Philippe rive Gonaïve. 1er janvier. Le rivé, nous trouvons exactement ce que tu fait là. Radmari. Radmari. Mon gonaïve content, accueille Guy Philippe. Plusieurs bases qui tiennent en compte, ils font alliance. Ils disent, ils apprécient voir un chef, ils vont arrêter dans la division. Passage Guy Philippe, Gonaïve, bah, que sauté. L'annonce que la pour Cap, Nord-Est, Wanamet. Li, il rentre au Cap te vin gampil la pluie, li rentre Wanamet. Wanamet, sous canal là, comme Anagi Philippe fait une déclaration. Une déclaration que te bah, que sauté. Une déclaration que te fait criminel yo peur. Une déclaration que te bah, criminel yo en pile problème. Le, comme Anagi Philippe répété, li dit clairement, assassin Jovenel Moïse yo yo en dedans prématurément le Guy Philippe fait déclaration ça meni nous pral tande l et puis m'pral faire nous tande m'pral faire nous comprendre effectivement raison nèg yo pas t'a quitter Guy Philippe vivant n'a pas de presse là pas occuper pièce moun k'ap di ou Guy Philippe c'est volé là Guy Philippe compte ça l'a fait exactement j'ai le fait entendez dernière déclaration comme Guy Philippe te fait Wanamet et m'bral ba nou information que m'gagne moi-même.
mais arabe là sous côté sous tête chat on regarde arabe là à côté comme dans Philippe là sous tête chat bon sécurité on regarde ça c'est sous responsabilité ambassade américaine à tout monde ça qui gère Ariel Henry illégalement dans tête pays là nous pas faire transition peut-être faire transition mais cette fois-ci c'est haïtien qui a décidé c'est nous qui a décidé c'est pas ambassade qui vous décidez l'illégalité pour ambassade suspend décider qui est ce chef police. Qui est-ce qu'il y a chef l'armée? Qui est-ce qu'il y a premier ministre? Qui est-ce qu'il y a président? Ambassade là, parce que dit qu'il est pour nous danser ou de coucher avec madame nous. Tellement ambassade là, dans ce pays, c'est pour lui. Il a le temps pour reconnaître que Haïti est petit lit, qui est petit lit crème là, c'est pour bailler ville, s'il nécessaire, pour nous jouer en Haïti, que nous besoin. Dans la révolution, ça, moi dis, après dis-le quoi? Faut que nous croyons là-dedans. Faut que nous croyons. Il n'y a pas qu'à faire sans peuple là, il n'y a pas qu'à faire sans nous. Mais on promet nous mêmes qui sommes pour une bataille pour le peuple là, nous mêmes qui voulons faire changement ça. Bataille que nous voulons mener contre le système ça, contre le statut quo ça. Il y a deux issues possibles. Ou bien criminels qui va appeler Haïti passer sous un trahi nous, ou bien nous passer sous nous. C'est comme ça vous lié. C'est seul jour que nous jouons Haïti que nous besoin. Encore une fois, mes amis, nous allons mettre, moi je vous remercie. Moi dis nous merci parce que nous baillons. On exemple le canal ça. On exemple que Haïti qui a mis ensemble. Que nous avons uni nous. Même force qui unit nous pour nous faire canal ça. On est unis nous pour nous jouer force pour nous retirer Haïti dans sa lia là. Nous capel. Si nous ne pouvons pas, nous ne pas. Si le problème est sécurité avec le pays, non, moins que 90 jours, nous avons résoudre. C'est mon problème grave. Il a Noël, même qu'à résoudre, c'est Ariel, c'est l'équipe Lyon, c'est volonté politique qui va gagner, qui fait insécurité là toujours. Je dis, nous ne pas faire violence, nous ne venons pas menacer la vie aucun monde. Vous juste dit Premier ministre, vous faites temps, vous faites l'heure, à la caille, allez, nous pas besoin encore, pas peuple en chance. Et nous dit ambassade, surtout ambassade américaine, suspend appuyer Ariel. Parce que n'importe qui est victime, tout haïtien qui a mouru chaque jour, c'est sous responsabilité. Il a mouru. Peuple haïtien, je viens dire merci. Bessap, je vous un gros coup de chapeau pour nous. Je recommande nous accompagner le peuple tout le temps dans la bataille, ça, bataille dignité. Ça. Et je dis merci. Non, peuple haïtien, et non, pape. Merci en pile. Je connais. On nous fait la police nationale en confiance. On nous fait l'armée d'Haïti en confiance. On nous fait Bessap en confiance. Pour nous joindre à Haïti que nous besoin. Comment nous comprendre? Que l'ambassade américaine dit qu'il va appeler l'armée d'Haïti travail pour pays. Pendant ce temps, il y a 300 soldats et Kenya pour une bonne sécurité. Ça veut dire. Pour ça n'a payé l'exil. Pour ça n'a payé l'armée ça. L'armée ça, ça dit c'est l'eau. Pendant qu'on va appeler l'armée à sécuriser le peuple là, c'est l'armée qui a sécurisé Ariel. Pendant qu'on va appeler l'armée à faire travail, protéger le peuple dans le cas pour faire, c'est l'armée qui a fait défiler, danser à Ariel sous champ de masse. Je ça va ça. Ou bien on prend responsabilité, ou bien on rentre la caillou à manger à Ariel. Donc mes amis, peuple haïtien, moi je dis nous faisons confiance. Fais pays à confiance. Fais la police nous en confiance. Fais des sapes nous en confiance. Fais l'armée nous en confiance. Et ensemble, les arrivés. Là nous disons en avant, parce que nous ne disons en avant, et nous disons en avant, et nous disons en avant. Là ça, là nous donnons mon libération, mon petit tout peuple là. Ok, je ne vais pas aller, parce que nous m'avons aller, pour nous prendre le bras. Nous allons marcher dans le bureau, nous allons marcher. Là ça, pour nous faire, c'est le peuple haïtien à faire. Je vais profiter de tout le monde qui est ministre, qui est directeur général, avec monsieur ça, démissionner. Démissionner parce que la révolution après nous responsable tout ça qui passe dans le pays. Sous ces ministres, sous ces directeurs généraux, sous son gros potentat, démissionner. L'arrivée pour démissionner. Le pays a en chasse. Donc, peuple haïtien, quel que soit à côté, dans Wanamet, dans Okap, dans Limbé, dans Gonaïve, quel que soit à côté, dans tout département pays, l'heure est arrivée. L'heure nous dit en avant. L'heure nous dit révolution a marché. L'heure nous dit nous voulons changement. Faut que nous répondions. Parce que nous ne pouvons pas faire ça, nous. Révolution, c'est pour le peuple là, c'est le peuple là qu'on fait. C'est le peuple là qui force là. C'est sous nous nous compter. Faut que nous fassions pour nous mettre 6 millions de pays. Faut que nous fassions pour petit nous aller à l'école. Pour nous manger. Pour nous vivre avec dignité. Faut que changement fait. Nous croyons ça. Je vous un gros coup de chapeau pour tout le monde qui était campé et m'a dit juste pour le président Jovenel Moïse. Malheureusement, chaque fois, on m'a remis le pays. Je vais passer, je vais passer. Les paroles là. Je vais assassiner des salines.
yo crasé président Jovenel Moïse. Yo sauté balai avec le compte. Pendant combien de temps il a continué mettre pied sous tête nous? Pendant combien de temps il a continué craser nous? Pendant combien de temps il a obligé que ben nos misères comme ça? Je dis la solution en amène nous. Nous qu'à changer ça. On nous changer ça, allez ça. On nous bataille pour petit nous. On nous bataille pour petit nous. Pour nous quitter un pays. Quand il y a guerre, quand il y a cap campé, quand il y a suspendu dans l'humiliation. Nous prenons tout partout. Quel que soit côté de nous aller, ils humilient nous. Nous haïtiens presque vins synonymes la honte. L'heure pour nous changer ça. Nous avons un grand gardien haïtien pour le camp et garder. Et puis pour moi fierté, pour moi dignité dans Gilles. C'est pour ça que Saline mourit. C'est pour ça que Héroïne de bataille. C'est pour ça que le président Jovenel Moïse a assassiné en tant qu'Akali. Je dis avant nous dit, il faut qu'on arrête l'assassin. Et si l'assassin est en primature, il faut qu'on cherche. Mais parole là. Si l'assassin est en primature, il faut qu'on cherche. Le Sahara n'est pas paniqué. Il dit, monsieur, il y a plusieurs objectifs. Premier objectif là, c'est prendre pays à retirer l'insécurité que nous mettons là. Attendez bien, oui. C'est négocier ou mettre l'insécurité généralisée là. Il y a aussi Guy Philippe prend pays avec le peuple là. Le peuple a besoin de changement. C'est quoi le peuple là? Il y a campé dans Guy Philippe. Il y a aussi que il y a pas de possibilité ça. Il y a pas fait violence là. Il y a quitté le peuple après pouvoir. Pays n'a pas la paix. Pas la sécurité, pas la stabilité. Et vous dites non, à la guerre comme à la guerre, nous allons mettre des armes sur Guy Philippe. Et là, Guy Philippe fait déclaration ça sur canal Rivière Massacre. Nous avons regardé cette vidéo ça déjà. Sur canal Rivière Massacre, la vidéo ça fait. Monsieur Ranamet, c'était rat de marée. Ok? Mais Port-au-Prince là, c'est la jungle, c'est la toute criminelle, c'est la toute assassin. Mais c'est là, pardon, c'est là où tu as vu assassiner. Commandant Guy Philippe. Et là, vous avez assassiné commandant Guy Philippe. Vous avez mangé. Vous avez arrivé assassiné. Pardon. Assassiné Bessapio, nous condition pareil. Commandant. La cage ouen Haïti, il n'est pas normal pour yon craser, assassiner, craser tête, couper bien, au président, pour j'en dis encore assassiner, yon kade quoi yon sous nous. Il n'est pas normal. Encore une fois, nous demandons tout le monde. Nous demandons l'ambassade américaine, prends pour l'aile à la veille. Nous demandons tout notre pays dit aux amis Haïti, prends si Ariel à la veille. Peuple haïtien, si on parle à la veille, nous camper, nous marcher et nous-mêmes, nous faisons justice tête par nous. Donc c'est seul conseil qui a changé Haïti. Les amis, merci en pile. Je vais arriver encore. Femme aller. Merci. Merci. Voilà. Justement, c'était commandant Guy Philippe. Ok, c'était commandant Guy Philippe. Commandant Guy Philippe, qui te prend la parole sous canal Rivière Massacre là, dans le département nord-est là, dans bas plein Maribao. Eh bien, image ça yo, te gan pile analyse kap fait sou yo, bon côté oligarque corrompu yo, et pouvoir en même temps la Dominicane. Tout média dominicain commence à questionner. Il y a des médias dominicains qui relèguent Guy Philippe fait interview ensemble avec elle pour tendre, monsieur, pour poser le question pour tendre. Parce que pas oublier Guy Philippe passe en Équateur, il était l'école militaire en Équateur, il est à Fontita. Pardon, il est à Fontita Dominicani, Guy Philippe parle espagnol. Le journaliste dominicain t'a parlé avec Guy Philippe parce que dominicain était ouais Guy Philippe comme menace. Mais qui dominicain c'est autorité gouvernement yo. Effectivement vrai, Guy Philippe sont menace pour le gouvernement dominicain. Dans quel sens? Pour intérêt oligarque corrompu dans le pays d'Haïti, qui de connivence avec le président libanais, le président de l'autre frontière. Il y a Guy Philippe comme menace. Parce que il y a que Haïti qui a besoin, et il y a un plan pour 20 ans pour qu'il y ait un lancement qu'il trouvait là pour le peuple disparaître là. Avec présent Guy Philippe, il y a presque senti que le projet s'apprête pour le tomber dans l'eau. Mais de fait, ils sont obligés de créer des stratégies pour regarder comment ils vont. Je n'ai pas l'autre formule, mais la formule qui est retenue, c'est l'assassinat du commandant Guy Philippe. Qui vient impossible pour eux là maintenant. Parce que Guy Philippe est saisi, Guy Philippe est en face de l'IA, de fait, Guy Philippe n'est pas capable de n'importe quel genre. Oui, il apparaît, parce que faut que l'autre stratégie de combat,
Il faut que l'autre façon pour une bataille. Oui, n'a pas paraît. Peuple a vle. Peuple a besoin de moun pal là. Mais est-ce que nous carité pendant qu'on commando légalement cap chercher moun pour tout moun, nous capote tête non. Il faut que commando ça maîtrisé. Si nèg yo pa le maîtriser commando, que peuple a maîtriser avec cocktail Molotov. C'est très facile. 5 backup, 100 000 moun ferme un côté, garanti non. Yo pa capter ba son non, yo pa ca supporter. N'a boule tout. Depuis que je kipe ton bal, nous voulons tout. Ou bien nous prenons, ou bien accepter nous prenons, on arrête. Si vous êtes d'accord, on arrête, vous avez une chance. Mais si vous êtes d'accord, vous êtes calé. Ok? Si vous êtes d'accord, vous êtes calé. Vous ne pouvez pas entrer dans avec criminel. Même si vous êtes méchant, en pile. Vous n'avez pas que monde. Vous n'avez pas que monde du tout. Vous n'avez respecter la vie. Vous faites toute qualité Zach malhonnête. Yo pas respecter la vie. Et nous devons camper pour une bataille avec ou pas n'importe quel moyen. Voilà maintenant. Dossier assassinat à Jabé Sapio. Qui assassiné dans la boule 10 et Pelé 11. Dans Pétionville là. Dans la commune Pétionville. Mais ceux qui finent tuer Jabé Sapio, ils font tout ça que vous connaissez pour disparaître le cadavre. Mais il y a un avocat, Maître Evel Fanfan, qui nous a demandé, même si nous avons géré toute activité pour nous gérer ensemble de manière professionnelle, pour l'accompagner, nous avons quatre batailles pour une jeune libération arabe là tout. Renforcer le cabinet et Maître Anel Rémi pour nous. Nous avons pris le Maître Fanfan sur ça pour nous balancer ensemble. Parce que nous avons besoin et une batterie d'avocat qui a un poids dans la balance là, en attendant le peuple à lui-même, je fais ça l'affaire pour que nous mettions les Arabes de Obano. Et bien normalement, n'est-ce pas de penser que agent Bessapio t'a gagné, tout le monde s'est campé pour eux, parce que tout le monde t'a peur. Et bien tout Bessap, moun yo pas peur, moun yo campé pour défendre Bessap. Maintenant, gagné Maître Evel Fanfan, qui c'est avocat Bessap, avocat ANAP, avocat Jean-Tel Joseph, qui prend la parole en tant que Maître Evel Fanfan. Qui t'a l'an OPC, qui t'a l'poté plainte pour Ariel et Akolit Lio, en tant de mettre Evel Fanfan, parce que le dossier a une dimension extraordinaire que le pral prend. Et le doit être fait parce que, faut que ça prenne code quand même, faut que tout le qui t'a l'exécuté à Jabé Sapio, il faut que Marie tout auteur intellectuel criminel, en tant de mettre Fanfan. Et qui a une responsabilité pour protéger la vie du monde en Haïti. M'a rappelé, la première fonction de l'État, c'est d'assurer, c'est de protéger la vie de ses concitoyens. Le protecteur du citoyen, avec OPC, montrer que il y a espoir quand même en Haïti, même lorsque bon latrier de dirigeants et responsables qui ont un comportement de vagabonds. Nous féliciter OPC et suite à conférence de presse à Kibay, côté que vous expliquez déjà ensemble de démarches qui déjà faites et résultats qui commençaient à tomber, qui commençaient à faire comprendre que moun qui dans l'État qui pense que c'est non savant nioye. Je dis à vous comprendre que ce n'est pas nos savants. Que les gens qui sont des policiers, qui ont responsabilité pour protéger la vie, pour servir la population qui n'a pas fait et au lieu que vous faites, ils mettent aujourd'hui comme des bandits pour assassiner les gens, torturer les gens, décapiter les gens. Geste OPC fait aujourd'hui avoir un signal clair. Et je regrette pour m'annoncer. Que avant longtemps, que vous voulez, que vous pas voulez, il y a devant le tribunal pour vous expliquer le comportement, pour vous expliquer l'agissement, pour vous expliquer les actes que vous posez sous 5 agents Bessapio. Moi encore, je voulais aider la presse à comprendre à travers deux éléments de mise en contexte.
de assassinat qui fait sous 5 agents BSAP. Premier élément pour nous songer si nous oublions. Songez que gen une note que le ministère de l'agriculture t'est sorti pour dire que le canal là que le peuple haïtien t'a construit était illégal. On dit oui. Donc elle oublie ça. On dit ça. Deuxièmement, ministre environnement t'est sorti une lettre pour te demander DG Jean-Tel Joseph qui c'est DG ANAP et Bessaplan pour te retirer agent Bessapio donc sous canal là. Deux éléments ça doit aider nous comprendre. Mobile assassinat c'est agent Bessapio, c'est parce que l'État qui l'a aujourd'hui là. Moun qui dans tête gouvernement ça qui prend pays en otage, c'est des moun qui pas dans direction que peuple haïtien prend. Et maintenant, les n'a tendé OPC. Et les n'a comprendre situation par an yo. D'ailleurs, qui là et en pile là-dedans depuis hier soir, il a essayé localiser yo pour yo menacer yo, pour yo voye tirer la caillou pour yo intimider yo. M'a dit monsieur Ariel Henry avec toute société a qui complice avec elle parce que moi grand pile monde qui complice avec elle et c'est pas sans raison dit société a. Je parle de la société politique, nèg qui complice avec lui yo, pour me dire yo. Faites très attention. Faites très attention. Donc jodi a ces quatre agents Bessapio, demain matin c'est nous. Et Jean-Martin Luther qui nous te dit lorsque gon injustice qu'a fait dans le monde, quel que soit côté la fête là. Si ou son monde, sous son citoyen, sous pas fait rien ou bail opportunité demain matin pour le river sous. C'est vrai. Donc pour question action que nous posons déjà m'a rappelé. Jodi a gouvernement ça fait tout ça le capable pour que tribunal là pas recevoir. Pour tribunal là pas recevoir et c'est moment qui plus difficile dans la vie peuple haïtien. Pour tribunal là pas recevoir plainte nous. C'est grave oui. Depuis une semaine n'a fait la navette par devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince pour nous déposer plainte par un victime yo. Et tribunal là sous l'autre gouvernement ça fait tout ça yo capable pour que yo pas recevoir plainte là au cabinet d'instruction. Donc il y a un journaliste qui m'a dit côté cadavre n'a fait tout ça capable et c'est même problème là encore. Yo mette Yusha devant cimetière là ou est pas gè chat pour ba moun sécurité. Jodi a gè un chat qui devant cimetière là qui empêche juge de paix avec parents yo avec avocat yo qui là pour nal rentrer pour nal prendre reste corps yo. Gè nous prend déjà pour question de sécurité, nous pas dit ni qui côté yo oui, ni nous comment nous prend yo. Très bien. Mais nous dit yo preuve yo t'ap essayé cacher yo preuve yo là. Yeah. Et autopsie a fait. Aïe aïe aïe. Yo déterminé qui zam qui tué yo et y a déterminé donc zam sa yo à qui moun yo rattaché. Exactement. Et y attendez oui mettre fofon pour le parler. Nous reprenons ça encore. Nous avons des cadavres à Jean Bessap que nous récupérer. Pour raison sécurité, nous pas qu'a dit qui côté yo. Bravo mettre fofon, son professionnel qui a parlé. Ou avocat moi depuis longtemps mais c'est tendance politique fait que naturellement nous pas de bagaille mais faut me parler avec mettre fanfan faut me parler mettre fanfan parce que des monde dans pays d'Haïti faut qu'on fait ou connaît que diaspora ici n'a regardé au de près et je dis à supposer c'est eux qui doivent voir ou du moins camper défenseur diaspora haïtienne dans pays d'Haïti et nous pas bailler mission nous pas bailler responsabilité pour apprendre fond bagaille pour pays pour tout bon et mettre fanfan faire route ça avec une batterie d'avocats qui bon côté bravo avec maître Evel Fanfan professionnel avocat bravo Kembela pays a remon en pile et nous camper d'ailleurs et de pouvoir défendre Bessap garçon c'est tout pays capable mettre fanfan nous avons entendez bien pays mettre fanfan dit nous clairement nous pas faire autopsie pour cadavre yo gagner des agents Bessap qui ont fin tué avec coup de couteau dans la tête. Tout ça, on a des preuves. Ah, nous comprenons. Ça, on a cherché, on a serré comme édition. Nous gagnons dans nos mains. Mettre fanfan à l'appareil. En tant que pays, parce que monsieur a bien parlé, il faut nous comprendre la vérité. Avec parents, avec avocats qui sont là, pour nous rentrer, pour nous prendre un rescoyo. C'est
et bien payé. Mais déjà, pour question de sécurité, nous ne pouvons pas dire ni qui côté yon, ni comment nous prenons. Mais nous disons, preuve yon tape essayé cacher yon, preuve yon là. Et autopsie a fait pour yon déterminer qui zam qui tue yon, et yon déterminer donc zam sa yon à qui moun yon rattaché. Donc, m'a dit à la presse, et m'a adressé à toute société. Vous avez une très grande responsabilité à l'égard de ces 5 agents assassinés, à ces 5 martyrs de la République, qui te proposition pour nous en tant que société, pour te construire canal là. Et je dis à, vous tombez pour la cause de la République. Et pas que monde qui est sans haïtien qui a collé dans la ville. Tout à l'heure, c'est une table gadem, l'un table chanté hymne national. Allez, oui. Devant ce cimetière là, où est pas que allez, on reprend ça bien. Avec par devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince pour nous déposer plainte par un victime. Yo. Et tribunal là, sous l'autre gouvernement, ça fait tout ça yo capable. La justice, oui. Pour que yo pas recevoir plainte là au cabinet d'instruction. Donc, il y a un journaliste qui m'a dit côté cadavre. On a fait tout ça capable. Et c'est le même problème là encore. Yo mette Yusha devant ce cimetière là, où est pas de chat pour baron de sécurité. Je dis à un chat qui devant ce cimetière là, qui empêche juge de paix avec parents, avec avocats qui là, pour nous rentrer, pour nous prendre rescore. Nous prenons déjà. Pour question de sécurité, nous ne pouvons pas dire ni qui côté yo yé, ni comment nous prenons. Très bien. Mais nous disons, preuve yo tape essayé cacher yo, preuve yo là. Et autopsie a fait. Pour yon déterminer qui zam qui tue yon, et yon déterminer donc zam sa yon à qui moun yon rattaché. Donc, m'a dit à la presse, et m'a adressé à toute société, vous avez une très grande responsabilité à l'égard de ces 5 agents assassinés, à ces 5 martyrs de la République, qui te proposition pour nous en tant que société, pour yon te construire canal là, et je dis à yon tombé pour la cause de la République. Et pas que moun ki gen san haïtien k'ap kole nan vin yo. Tout à l'heure, c'est une table gadem. L'en table chante hymne national là. Et là, yo te rive dans cette partie dans nos rangs, point de traître. Nous et l'eau tap coule dans zyum. Donc tap coule dans zyum parce que jodi a m'ap constaté que c'est des traîtres qui nous dirigent. Justement. Yo premier ministre traître. Ou ministre de la justice traître. Ou directeur général de la police traître. Ou ministère de l'environnement traître. K'ap dirige nous. Ou colonne ministre traite, ou colonne directeur généraux traite qui dirige nous. Et je dis à nous avons responsabilité pour nous débarrasser de ces traîtres. Justement. Et pour nous installer dans notre pays à des haïtiens qui sont conscients que je dis à faut nous établir un nouveau ordre dans ce pays. Pour terminer, au nom de tous les confrères qui a goumé, par exemple, maître Charles qui est là et maître Gabin d'Haïti et tout avocat Cap Goumen à côté parent yo. Pour me dire à société a pas oublier à Jean Bessap yo tombé yo quitté petite yo quitté madame yo quitté famille parce que t'as défendre une cause qui noble et cette cause que je défends cette cause que moi-même m'a défendre c'est pour la dignité de cette société, la dignité de cette race, la dignité de ce peuple. Et il n'y aura pas de dignité pour ce peuple si nous ne pas retourner avec la production nationale. Il n'y aura pas de dignité de ce peuple. Il n'y a pas de souveraineté sociale si nous ne pas retourner avec la production nationale. Donc la production nationale avec Canal, nous comprenons très bien ça, ça veut dire. Et donc, nous avons responsabilité morale pour nous accompagner, pour nous supporter, pour nous encadrer. Donc ces victimes, ces martyrs que Ariel Henry qui est directeur général de la police là, avec tout acolyte, ils ont décidé, ils ont massacré, ils ont amputé, ils ont coupé tête, ils ont coupé pied. Par l'affrontement, vous pouvez mettre là. Je ne pas contre ça, aurait les affrontements. En droit, nous avons des bons rhétoriques dans la rue qui a parlé des affrontements. Il y a ce qu'on appelle la légitime défense. Et l'un des éléments de la légitime défense, et que la légitime défense devrait être proportionnelle à l'attaque. Je ne comprends pas comment pour la police, tu parlé de affrontement par un green moun nan moun yo qui était même riflé par un roche. Il
la presse, je dis, mettez-nous à niveau pour nous comprendre la barbarie qui fait mercredi 7 février. Cette question de affrontement, les gars affrontement, moi la police est courue, les bandits barrés, la police est courue, ok? Donc cette question de affrontement, cette thèse ne tient pas. Et tout le monde connaît comment ça fait. Il connaît que le premier monsieur non guette à prendre. Et il connaît que vous êtes préparé pour ça. Vous avez 5 machines avec vous. Vous avez gagné un Cherokee noir que vous avez travaillé pour vous mettre. Vous avez gagné un pick-up. Vous avez gagné 2 machines de la police et une ambulance. Donc, vous avez ça, vous avez pas le fait. Vous avez marché avec toute ambulance. Et ça n'a pas dit là. Vous pensez que je dis à vous, c'est au premier siècle que vous avez fait ça. La vérité est là, les informations sont là. Et nous avons gagné information. Et non seulement nous avons fait ça nous capable sur le plan national, et déjà nous sommes prêts. Si l'État ici pense que vous avez passé les 5 corps, ou du moins les 5 personnes qui ont été assassinés, vous pensez que vous avez bêtisé avec elle, nous avons dit premièrement, il y a la Cour interaméricaine des droits de l'homme qui est là à New York, que nous habitué à aller devant déjà. Nous avons la Cour pénale internationale qui est là pour crime contre l'humanité. Et ce crime, c'est un crime contre l'humanité. Donc je dis, moi je viens pour demander, pour m'adresser à nous tous, pour responsabilité nous. D'ailleurs, pour vous qui êtes journalistes, on regarde comment vous pétez, Jean-Jean. Et pas celle gel qui pète, nous, même lorsque vous regardez dans des toujours, je pète tout. Parce que c'est chance ou gagner que c'est pas dans toujours. Ça, et bon macrimogène, ça a tombé. C'est vrai. Donc, c'est la rue, je pète tout. Donc prends responsabilité. Et suspendre à couvrir événement pour ces vagabonds. Et je le dis, et m'assume pour ces voyous qui prennent le pays en otage pendant 3 ans. Ils ont augmenté l'insécurité, ils ont augmenté l'intimidation, ils ont fait tout ça capable pour ajuster nous dans l'insécurité. Ils n'ont pas fait un lien contre nos amis. Au contraire, chaque monde dans le pays qui décide pour que vous levez voyous, ils ont un bon macrimogène pour eux. Donc pour vous qui êtes journalistes, m'adresser à nous-mêmes pour responsabilité nous. Et pour terminer, la société haïtienne pas consenti nous, non? Haïtiens qui dans diaspora, pas consenti nous. La société civile, pas consenti nous. Parce que nous devons servir de la mort de ces 5 agents de Bessa. Parce que il y a 2 ladrons, il faut nous songer, il y a 2 ladrons qui ont sorti Port-au-Prince qui prennent dans lié travail à Keskov. Ils ont arrêté. Yo torturé yo, yo bastonné yo et aller avec yo dans prison. Pendant ce temps, moun ki gen zam nan yo, k'ap fait kidnapping, k'ap torturé moun, k'ap violé moun, yo gen carte blanche pour yo faire ça yo pipito dans pays ya. Quelle est cette société? Quelle est cette société? Donc, m'adresser à nous-mêmes, un appel à votre conscience. Justement, c'était Maître Evel Fanfan, avocat professionnel. Avocat qui l'a longtemps tout, oui. L'aime tout petit. Depuis l'aime tout petit, de mettre parler de mettre Fanfan, oui. Et justement, qui c'est. Alors, avec plusieurs autres confrères, et avocat qu'il gagne, qui ensemble avec lui, qui est sous dossier à Jean Bessapio. Il m'a dit bravo avec mettre Fanfan et nous remercie et avec toute batterie d'avocats qui ensemble avec lui, qui a aidé nous bataille dans le cadre des dossiers ça, pour nous faire une justice et pour Jean et Bessapio qui tombait. Et dans condition ça. Et il y a des extrêmement important, ça veut dire qu'il y a des avancées qui fait dans le cadre dossier, parce que nous avons prévu à gagner des cadavres à Jean Bessap. Effectivement, M. Fanfan annonce là que y a une récupération de cadavres à Jean Bessap, mais nous n'avons plus. Nous n'avons pas dit tout. Mais nous avons venu, nous avons campé en bas avec un chablende à veiller. Qui est-ce qui vient pour un cadavre à Jean Bessap? Mais qui est-ce qui paye? Yo campé dans Chablende, devant cimetière là, vite l'homme, puis pas mal qu'à vite l'homme non, mais a veillé pour tirer sur le juge de paix avec avocat et famille victime yo, qui vient chercher cadavre victime yo. C'est grave. Bravo avec M. Fanfan. Et maintenant, nous prenons le coup de patte pour nous tendre. Et qui ça? Alors, protecteur citoyen, qui c'est. Maître Edouville, OPC, responsable droits humains, qui reconnaît par l'État, selon la Constitution, ok, son organe étatique qui est lié, eh bien, Renan Edouville prend position claire.
Nous prenons le temps de René Douville, on est sage, avec un pile de sagesse, monsieur a expliqué, et monsieur Ferrale, il prend plusieurs exemples, il fait plusieurs points. On a le temps de mettre Edouville ensemble avec nous, peuple haïtien. Mettre René Douville. Rencontrer avec mon frère là pour nous en marge de cérémonie, de conférence. Mais sans que je ne parle développer trop, je vais avoir une explication plutôt académique, classique. Nous tous connaissons, chers amis, l'homme en question de droit monde, et bien le premier bagage qui gagne, c'est l'État qui est responsable de violation de droit monde. Lorsqu'elle va respecter, elle va protéger, elle va mettre en œuvre. Si un journaliste est maltraité, eh bien c'est l'État qui porte responsabilité. Alors ça que la procédure dit nous, il faut nous porter plainte. Ça arrive très souvent, effectivement, j'en confère la dire, que nous ne jouons pas de satisfaction. Mes chers amis, mais pas oublier, il y a des instances internationales. Lorsque, par exemple, on ne joue une satisfaction par devant les tribunaux nationaux, les dernières réunions là, les nouvelles fois qu'il a, qui sont des spécialistes sur question ça, qu'on n'est que pour saisir instances internationales. Et attention, ça a traîné, ça a pris le temps. Mais, avocat toujours en jour, la défaite du droit, bien que provisoire. Est-ce que nous connaissons journée aujourd'hui en 2024? En 2023, il y a un monde qui a 92 ans, il y a un qui a 96 ans, qui a jugé pour des crimes qui étaient faits en 1993, en 1994. Tout récemment, il y a un juge dernier qui était impliqué dans un crime qui était fait de 1945 à 1949 comme génocide, malgré sous chez Zouland, le train de la justice. Il y a 92, 96 ans. Donc, violateur de droits humains, mon cap bat journaliste, mon cap crasé appareil journaliste, mon cap crevé, pété sur journaliste avec bonbon lacrymogène, tôt ou tard, justice internationale n'a pas pu marcher sur vous. C'est ça que je suis capable de dire. Et dans ce sens, pour qu'on se quitte et demande qui ça qu'on a fait pour Jean-Marc Jean, nous-mêmes, nous avons constitué le dossier et nous avons été l'ouvrir pour nous travailler avec toute association de presse qui positionne sur la question de ça, sur l'agression journaliste subie ces derniers jours. Des associations qui positionnent de façon très claire, et bien, pour que nous soyons capables de porter le dossier au cours de vous. Et c'est peut-être ça que nous avons dit tout à l'heure, pendant que nous avons salué la démarche, votre parole la police, M. Gagné, nous avons fait. Dans le week-end, dans le carnaval là, qui était accompagné nous, mais demandez-vous, ça va arrêter là seulement. Il faut qu'il y ait un encadrement d'ordre social, d'ordre économique, d'ordre psychologique également. Parce que nous qui perdons yeux, on perd deux yeux, sont l'autre vie qu'on va commencer. Et puis, sans oublier, justice et condamnation de ce bourreau ou bien des bourreaux qui étaient lancés. Bonbonne lacrymogène qui était fait journaliste en pétition. Du procès du massacre de Raboto. Tout le monde connaît le massacre de Raboto qui était fait. Et bien, c'est protectrice Florence Elie qui était menée en charge. Massacre et dossier ça. Et Marine, maître François Guimalari. Il a été assassiné au grand jour, midi, dans Abdel Charles Soumer, pendant qu'il a sorti dans le ministère de la Justice. Il était ministre de la Justice et il a assassiné le 14 octobre 1993. Nous entendons poursuivre les œuvres de ces prédécesseurs, malgré vent et marée. Pas de question pour des apprentis prédateurs d'essayer de nous envoyer des messages d'intimidation par personne interposée.
ça va marcher avec nous dans l'Europe. Car depuis que nous sommes venus en tête au PC, en octobre 2007, ensemble avec les équipes qui sont avec nous là, nous avons travaillé sur des dossiers emblématiques. Un, en mars 2020, au PC était pour un gros dossier. SPNH 17. Et ça a été sous le président Jovenel. Il a été décidé pour démettre la première organisation syndicale de police dans le pays. Pourquoi quelqu'un n'est pas d'accord? Il y a un qui vient avec toute théorie juridique pour dire journaliste et policier pas capable de faire syndicat. Nous étions le seul, la seule institution qui campait, qui dit non, faut de reconnaître le syndicat de police dans le pays, hein, parce que il conforme à la convention de 1987 que l'État ici a ratifié. Les choses dites, j'en ai dit une chose faite, policiers, au commandement de la police là, et finalement, tant de raisons, même si vous n'êtes pas d'accord, le débat SPNH 17, reconnaissance légale. Et c'est reconnaissance légale SPNH 17 là qui va créer d'autres syndicats de la police. Deuxième dossier, en 2020, chers amis, on était en pleine période de coronavirus, juillet 2020. Autorité, la justice, a décidé au niveau du palais national, faire président, mais une grâce présidentielle qui était signée, côté où était grâcé environ près de 300 et quelques prisonniers. Et parmi Mounsao, il y a un violeur, présumé violeur, il y a un kidnappeur, mais présumé qui était condamné. Il y a un dossier dans le cabinet d'instruction, nous avons crié au scandale, nous avons dénoncé. Et finalement, au niveau du pouvoir, on avait décidé d'essayer de rectifier le tir. Troisième dossier emblématique. Nous sommes capables de faire tout le monde connaître que ce n'est pas la première fois nous-mêmes, nous avons moyen de s'arrêter des dossiers que nous avons dit dans le langage, voilà le dossier chaud. En juillet 2020, en juillet 2020, parce que toujours en juillet 2020, eh bien, il y a un opposant à régime Jovenel Moïse, président Jovenel Moïse, l'un des opposants les plus farouches. Je me réserve pour ne pas citer le nom. Donc, mais nous connaissons le public. Eh bien, qui te fait connaître que, dans une déclaration d'après ce qu'il te fait, direction immigration, décider qu'il y ait un passeport pour l'empêcher de sortir. Aller et venir normalement, j'en sais la loi dit. L'aime tant de bagages là, il est dans la presse, OPC fait ça, m'dérélé, auto-saisine. Nous battons le monde dans une côté de nous, non, nous allons contre le monde. Même j'en fais pour la peau. Nous battons pas en victime de une côté de nous. Nous battons mettre vers le fofan de nous, non, nous allons vers mettre vers le fofan. Et bien, je fais même ça pour opposant à régime. Nous allons vers lui-même. Nous accompagner. Nous écrit direction de l'immigration. Nous demander que pour le remettre le passeport parce que pas de preuve légale, pas de raison légale pour que le passeport monde. Et dans la collaboration que nous avons entre direction avec la direction de l'immigration, eh bien, nous permettre que opposant ça, jeune passeport dans un délai ne dépassant pas 48 heures de temps. Je n'ai pas besoin de dire non. Le monde qui était aux alentours du président Jovenel, qui t'a pris pour le CEO, puis en mille, t'a pris le CEO. CEO t'a pris pour le CEO, puis en mille, puis bon en mille. Alors que c'est faux pour reprendre les propos de Michel Soukha sur le de forme, et il t'a critiqué. Mais nous devons dire que comment faire pour OPC un protecteur qui n'a pas arrêté le président Sergio Benoïs pour demander pour faire un passeport à Youn Napi qui opposant président. Nous faisons
Et les gens qui ont fait excès de zèle là, ils sont là. Peut-être dans l'autre position. Donc, quatrième dossier que nous témoignons, eh bien, c'était en janvier 2010, après le tremblement de terre. Ça a été le 19 janvier 2010, où l'équipe policier PNH, ensemble avec des policiers de la MINUSTA, contingent sénégalais, ils ont entré en dans prison au CAI. Ils ont été tués un paquet de prisonniers. Ils ont gagné 467 détenus en prison. Ils ont gagné au moins 12 prisonniers qui sont morts. Ils ont gagné 14 blessés. OPC a fait auto-saisine. OPC a monté en équipe. Et grâce à l'équipe OPC a été montée en 2010, on bat là. Nous sommes là jusqu'à présent. Nous sommes arrivés. Qu'un bon dossier, mon ton dossier. J'en voulais faire pour le dossier là. Nous sommes arrivés à joindre une condamnation de 34 policiers qui étaient impliqués dans ZAXA et nous sommes condamnés à pile là-dedans par consommation. Cela veut dire, en clair, chers amis, nous entendons poursuivre notre mission. Ma terminé présentation ça avec un signe pour nous dire que nous préoccupés, nous avons tête chargée, nous avons inquiétude par rapport à ça privé dans la pénitentiaire nationale. Côté que dans la date 13 janvier, nous avons vu des armes sous pigou prison dans le pays. Ça inquiète nous. Parce que pénitentiaire nationale, il y a des criminels, il y a des assassins qui sont déjà condamnés. Pénitentiaire nationale, il y a des présumés assassins, des présumés criminels, qui ont accusé de crime et qui sont condamnés. Pénitentiaire nationale, il y a des innocents là-dedans. Jean que au commandement de la police, là, CSPN, qui a développé des unités spécialisées. Pendant la manifestation 7-8 février, nous demandons au niveau de l'OPC pour tout dispositif ça au grand tout même genre pour sécuriser la pénitentiaire nationale. Et quel que soit ce qui est arrivé dans la pénitentiaire nationale, nous-mêmes au niveau de l'OPC, nous avons tenu le CSPN responsable de tout incident qui est capable peut-être de faciliter des criminels sauvés, mais qui est capable de tout, on ne le sait pas, à Dieu ne blesse, que il y a des gens qui sont innocents dans la prison qui sont censés mourir. Et gens qui ont dénoncé, qui ont développé une unité de spécialisée dans la date 7-8 février, on a demandé pour dispositif de sécurité ça autour, permettre-nous d'arriver à boucher, fermer au binet sans. Pendant que je parle avec mon là, chers amis de la presse, nous tous connaissons ça privé du côté de la plaine. Non seule soirée, il y a plus que 20 morts qui mourent, selon des données fournies par des confrères de la presse. C'est inacceptable. Nous avons souhaité que le dispositif de sécurité soit permette à mon Cafoufeuille, Mariani, Bel Air, un peu partout, retourner la caillou en toute quiétude. Nous t'as souhaité tout que le dispositif de sécurité au plan pour nous permettre de suspendre, tuer femmes, jeunes filles qui parlent ou violées. Et là, moi j'ai en tête, moi j'ai sous yeux une demoiselle ça que m'a jamais cité parler de lui, Micheline Dor, une jeune fille que bandit dans un plateau sans et là c'est bon. Cyril. Oui. Nous déforcer, nous déboucher. Il va te vouloir. Il fait 4 déjà de souris. Il tue pour ça. Il n'est pas d'accord. Ça a arrivé le 30 novembre 2023. Le fusil, le tiré, le balle, 2 balles dans la jambe. C'est inacceptable. Tout comme c'est inacceptable pour cet adolescent
cet enfant des rues, tout le monde dit ouais, il a pratiquement 13 ans, 14 ans, maître Pétion. Il est orphelin de père et de mère. Il va gagner maman, il va gagner papa. Il est avec une grand-mère. Et grand-mère n'est pas capable d'aider le matin pour pas manger. Il s'est sorti dans la manifestation. C'est un pillage devant ma quête. Il s'est rentré pour prendre pas pour manger. Nous avons une vidéo qui était en bout. Pour que les policiers ont massacré mal de pied. Sans que les policiers n'aient pas rendu compte que son Timoun. Et lorsqu'on présente de Timoun, on suppose prendre des dispositions spéciales. Nous lançons un appel et nous posons des questions. Est-ce que les autorités de ce pays n'ont pas vu ces vidéos? Ah, M. Douville, vous faites bien ouïe là. Vous dites, est-ce que l'autorité dans le pays n'a pas vu ces vidéos? M. Douville, bon, je vous respecte pour de manière stratégique. Ou fait discours pendant que ou pas vle dit de bagaille de criminel qui la yo, mais Edouville qui te gen après assassinat Jovenel là, il va Edouville sa clarenta. Alors depuis le tout Ariel te débarqué dans bureau, ta loué ou, depuis le atout, Edouville tout en komouton, ou repren mwen, ou plié ke ou mette ba avant tout. Bon, quelque part tout, pe pou nek patou yo, tout moun, parce que situation compliquée, ou pas ka baite tout sécurité devant criminel sa yo. Ou bagay, je comprends la situation, mais avec tout respect que je gagne pour et alors, je vais mettre le peuple à tendre. Je vais prendre patience sur tendre et m'espérer que vous ne dites pas qui mal et dans le commentaire là de vous. M'espérer que vous comprenez la position. C'est protecteur citoyen, la loi Bordeaux pour tout faire travailler, mais la situation pays en fait que vous ne pouvez pas faire le genre de faire. Je comprends, mettre Edouville. Et justement, peuple haïtien, Batan l'a continué, j'en sous temps de mettre Vel Fonfon à l'heure. Li confirme pour nous récupérer plusieurs cadavres dans Agent Bissapio. Nous t'a fait effort avec famille là, juge de paix légalement pour qu'il ne prenne tout cadavre. Mais il y a des chables qui étaient campés quoi. Ok? Pour te venir faire Zach Malounet ça yo, yon façon pour nous pas récupérer cadavre. Tout est famille et tout est Agent Bissapio qui sacrifié par des criminels notoires qui sont au niveau pouvoir. D'accord? Eh bien, justement, nous avons continué à mener la bataille. Nous, je ne dois mener, parce que nous avons dit que c'est une bataille que nous avons, et bataille, nous ne pouvons pas camper. Responsabilité à nous prendre, engagement à nous prendre, ça pour faire la fête, et ceci pas n'importe qui moyen. Haïti a souffert, douleur pas facile. Mais nous disons, nous avons camper, nous ne pouvons pas vague, et nous ne pouvons pas faire vague, parce que dans ça que nous avons mis le pays là, nous ne pouvons pas capable de camper pour nous garder des criminels notoires. OK, cap détruit monde cap fait toute qualité zak malhonnête en dedans pays dans conditions pareilles. Faut que nous camper pour nos batailles, faut que nous camper pour nos gourmets. Encore une fois, dernière interview que commandant Guy Philippe fait avec Valérie Saint-Louis qui n'a profité saluer la voix de l'Amérique Téléimage, il y a un pile haïtien qui dit un pile bagaille de interview parce qu'ils comprennent ni en façon. Il y a un pile haïtien qui chauffe, faut que Guy Philippe sorte prend la rue pour le parler. Il y a un pile haïtien qui dit non, Guy Philippe pourquoi parler. Encore une fois, moi-même prétends hier soir pour me tendre, déclaration, me décortiquer. Alors, intervention commandant Guy Philippe là, pour me comprendre aussi de bagaille. J'espère que nous prenons un petit temps ensemble avec moi. Pour nous tendre, ça qui dit. Commandant Guy Philippe, Valérie Saint-Louis. Entendez avec un pile intérêt, c'est très intéressant. M'invitez-nous, m'a fait ensemble avec nous sur point ça. Que la diaspora, que la Haïti, et me salue nous-mêmes et qui bonne opportunité ça pour me parler avec mon yo. Et c'est toujours un plaisir pour me parler avec vous de l'Amérique. Son plaisir pour nous parler avec vous tout, fois ça ou en Haïti et gagner des dénouements d'actualité ou dans le centre de l'actualité, je vous dis. 7 février, qui s'est passé exactement? Gen le te wo dans la cour Port-au-Prince, particulièrement précisément dans Pétionville. Et puis, un incident qui arrivait, nous allons expliquer nos beaucoup de ports qui s'arrivait à Jean-Bé Sapio. 7 février, qui s'est passé dans la cour Pétionville? Bon, 7 février, même j'en ai toujours dit, les populations, on a appelé avec Port-au-Prince pour nous manifester et pacifiquement. Paisiblement, et pour nous demander des pas, Ariel Henry, qui depuis plus que 31 mois, pas pour mettre un, hein, et insécurité tout partout, pays à pas vivre, à l'école, pas grand un cap marché dans le pays, donc il était supposé faire 4 mois, il y a 3 ans, donc nous devons le faire en marche pacifique pour nous demander, et pour le retirer, col et sous pouvoir, et bien Haïti en chance.
malheureusement, et forme tout et j'en dis, et dans la présentation,